Et on s'est dit, bon, les femmes, l'Assemblée présente, et là on a laissé vraiment les habitants parler. Mais, puisque rapidement, a été décidé de faire une marche au 1er juin. Alors, l'expérience par ailleurs dans les banlieues, on s'est dit, tiens, nous, on va, il y a après plusieurs réunions, on s'est réunis régulièrement, on a voté pour que ce soit aussi le collectif du 1er juin pour qu'il y ait une mémoire, que ce soit marqué au niveau média et au niveau population. Rachida ou Mili, Rachida, si vous complétez, Et 23 propositions qui aujourd'hui ne sont pas encore entendues par nos parlementaires et par nos politiques. Voilà. Voilà. Et qui aujourd'hui sont dans la situation du dernier meeting de l'Estac il y a 3 jours, qui aujourd'hui ne sont toujours pas retenues ni réfléchies par nos politiques. Donc vraiment, nous, ce qu'on veut, c'est cette demande-là, en fait, hein, puisque c'est pour clôturer un peu, puisque c'est pour clôture apparemment. Ces 23 propositions-là, aujourd'hui, elles sont urgentissimes. N'empêche qu'on pourrait travailler avec d'autres gens, mais dans tous les cas, moi, je me disais qu'auprès d'Europe Écologie Verte, c'était intéressant que Christine Juste a organisé cette réunion aussi, pour que justement, on peut réfléchir avec d'autres partis qui ne sont pas forcément... adaptée à ce qui se passe chez nous, mais qui, justement, l'écologie populaire, moi, je crois qu'elle peut exister. Et l'écologie populaire, ça fait aussi partie de nous. Et je trouve que c'est important que vous entendiez en écologie aussi ce que nous vivons et ce que vous pouvez nous apporter. Voilà, c'est aussi les témoignages de ces et personnes que nous avions invitées. C'est entendu politique, au moment où il y a eu la marche du 1er juin. Et moi, je me suis retrouvé dans la situation de dire, mais... Putain, voilà, c'est exactement ça que nous, il faudrait qu'on fasse en tant que parti politique. C'est vraiment ce genre de mouvement qu'il faut qu'on accompagne. Et pourtant, il y a un tel refus du politique un peu pourri à Marseille qu'on voit bien qu'on a du mal et que ce serait même peut-être même mal vu qu'on vienne participer officiellement en tant que LV à cette Alors, comment on peut réussir à dépasser ça? Je pense qu'on est vraiment à la face des montagnes. Il y a Denis Guénon qui est là de Marseille aussi. Enfin, je ne suis pas de Marseille. Ah non, t'es un peu fou, mais c'est vraiment cette idée-là, effectivement, quand on parle du réseau coopératif, spécifiquement cette question-là. Ça va avec ce qu'on dit, ce sentiment aussi d'abandon. On est, que ce soit donc aussi avec les actes d'urbanisme qui sont quand même assez violents, et très peu de valorisation des histoires qui font la richesse de ces quartiers-là, on se retrouve assez vite, et le récit médiatique par rapport aux couches, dans l'impression qu'on est sur des territoires sans richesse, sans segmenter, monter les uns contre les autres, et progressivement aussi dans une époque où les solidarités naturelles, qu'elles soient communautaires, professionnelles, ont tendance quand même partout, c'est pas une spécificité des quartiers-là, à se friter. Donc du coup, voilà, l'arrière-fond de cette histoire-là, c'est plus finalement comment on arrive à se refabriquer collectivement des histoires, comment à se reconnaître nos histoires pour fabriquer de l'histoire. Parce qu'on pense quand même qu'aujourd'hui, même si le grand récit républicain, je ne sais pas, il ne marche plus, le récit capitaliste commence à ne plus marcher non plus, on a besoin de se fabriquer du sens, finalement, de la mémoire de l'histoire. Et donc ça, on le fait de manière en fait assez empirique, en marchant. Parce que finalement, la marche, c'est l'échelle 1 de la rencontre, c'est réobserver même dans des endroits où il y a une époque. Et en retour, il avait les votes. On a fait voter des morts à Marseille. Mais c'est connu quand même. Et tout ça, pourquoi on n'y arrive pas à s'en sortir? Pourquoi on n'arrive pas à s'en sortir? Parce que les électeurs, ils aiment ça. C'est impossible. Je pense qu'on a sûrement envie d'élargir cette débat pour une demi-heure, mais il faut qu'on respecte, et je ne veux pas avoir invité Pablo Sanchez exprès des milliers de Bruxelles, rester la nuit, il ne faut lui pas donner assez de paroles. Il va rebondir parce qu'il a aussi beaucoup d'expérience dans ce domaine de l'eau, il était même touché lui-même. D'abord, c'est la bataille à l'échelle locale. Ça dépend du pays, c'est européen, et qu'elle soit déclarée en droit humain, ou en bien public, ou en bien commun, ça veut dire prendre les critères des Nations Unies. Alors, je ne suis pas écologiste, et je ne viens pas de perspective écologiste, mais on a réussi à faire une alliance entre écologistes, syndicats, je travaille pour un syndicat européen,
des gens qui travaillent contre la pauvreté énergétique. Il y a des milliers de personnes qui sont coupées de l'eau aujourd'hui en Europe, en Grèce, en Italie, en Espagne, au Portugal, etc. Et il y a eu un processus de privatisation dans toute une série de pays. Et l'eau, c'est un enjeu majeur. Et vous ne pensez pas que Marseille est une exception au monde. Je vais vous comparer avec une autre ville qui s'appelle Naples, qui avait énormément de problèmes d'eau et de déchets. Et les maires de Naples, qui a gagné après une mobilisation en Italie où il y a 27 millions de personnes qui ont voté contre une loi, pour arrêter une loi qui arrêtait la privatisation et le nucléaire, et enfin, bloquer la condamnation de Berlusconi. Et c'est cette mobilisation qui a changé la donne pour que toute une série de villes passent en régie publique, ou comme ils appellent en Italie, remunicipalisent. Maintenant, Naples, elle est un peu les bateaux qui marchent dans, je vais être générique, dans la gauche, voir tout ce qui n'est pas, pour, si Marseille est pourri, ah, ici vous êtes des apprentis par rapport aux Italiens. Alors, il faut changer les rapports de force. Et pour changer les rapports de force à l'échelle européenne, à l'échelle nationale, à l'échelle locale, il faut mobiliser les gens, ceux qui sont en dehors du système de réenchanté. Et pour ça, il faut les parler à ces gens. Nous, on a réussi à avoir 1 million de signatures, et je ne suis pas d'accord avec François à dire que 20 000 signatures en France, ça pèse. 20 000 signatures en France, et vous allez m'excuser, ça fait rire. J'ai plus de signatures en Lituanie. Vous voyez, c'est un pays de 3 millions de personnes qui a sorti d'un système totalitaire pendant 70 ans, où, disons, la citoyenneté est un concept relativement nouveau. J'ai plus de signatures en Slovaquie, en Slovénie, etc. J'ai fait un appel à vos 65 000, si vous avez un mailing, envoyez un mail. On peut faire, on a besoin de 20. Écoutez, il y a 2500 personnes dans cette école d'été. Si chacun avait une feuille dans son fiche d'inscription pour 10 signatures, en une semaine, on serait. C'est bon. En France, le problème, c'est l'Internet. Il n'est pas bien développé comme il peut être développé dans des pays comme la Suède. Non. L'Internet, c'est les mêmes pour tous. C'est les mêmes pour tous. J'ai 25 000 signatures en Grèce où la situation, c'est pas signer des papiers. En Grèce, les gens sont dans la détresse. Il y a des mobilisations citoyennes pour récupérer, pour reconnecter des gens à l'eau et des gens à l'électricité. Vous, si vous comparez Marseille avec la Grèce, ici, on est en Suède. Je suis allé en Grèce 5-6 fois dans 2 ans et c'est effrayant ce qu'on a fait avec ces pays. Et l'eau et l'électricité, il y a des milliers de personnes, les factures d'électricité ont augmenté 300 euros par foyer d'un coup. Et ils ont mis la facture de télévision avec. Et si tu ne payes pas la télé, on te coupe l'électricité. Il y a 1 million de personnes qui risquent d'être coupées d'électricité. Et l'entreprise d'eau va être privatisée. Et vous voulez savoir qui va acheter l'entreprise d'eau en Suez. Vous avez un 50% des chances d'avoir un emploi. Et c'est ça. Si en France, on ne réussit pas à mobiliser les gens, à mobiliser tous ceux qui ont mis en régie publique, toutes ces collectivités de 2000, 3000 à Nelson, je sais pas, à Paris, pour changer la donne dans ces domaines, ça va nous retomber à tous les autres 300 millions, corruption. On peut en parler, mais c'était Carignan à Grenoble qui est allé en prison. Ça a changé la donne. Il a été en prison grâce à un écologiste de Grenoble. Mais voilà, Montpellier. Mais c'est ça où il faut, mais il faut la mobilisation citoyenne. Qui va aux européennes au mois de juin. Arrêtez de m'interrompre, sinon je me donne encore 2 minutes de moins, de plus à moi-même, comme ça. Alors, on a réussi à faire une coalition à l'échelle européenne avec des écologistes, des agriculteurs, des gens qui travaillent contre la pauvreté énergétique, enfin, qui travaillent sur la santé publique, etc. Et c'est vrai que la Commission européenne n'a pas fait un outil sympa, ou comme on dit en anglais, user-friendly. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait exprès. C'est là, enfin... Je l'ai dit publiquement, je l'ai dit face à la Commission. Mais et alors? Alors il faut mobiliser encore plus. Nous, on avait besoin d'un million de signatures et on estime qu'on pourrait arriver, si la France mobilise, à 2 millions. Personne, jamais, au monde, a réussi à avoir autant de signatures avec une carte de validation en moins d'un an. Nous, on l'a fait. Et vous avez, comme disait Peter tout à l'heure, si l'extrême droite de l'Église catholique à travers l'Opus Dei, elle est capable de faire presque 5 000 signatures en France, j'estime que les mouvements écologistes, et en général, ceux qui luttent pour l'eau comme un bien public, doivent pouvoir être capables de faire plus ou moins la même chose. Alors, je vais être un pétrage, comme le film, sur Monsanto, mais c'est à vous... C'est sur Monsanto, c'est sur Veolia, on en parle, hein. Oui, je sais, Veolia, Reva, Teco, et pourtant...
j'ai travaillé pour une organisation qui a les travailleurs qui sont là-dedans. Alors, je connais bien, et il n'y a personne, aucune partie, aucun syndicat, aucune organisation qui est libre de corruption, elle est parfaite. Mais il faut travailler là-dessus pour changer ça. Mais on le fait en travaillant, et dans ces cas, on a 20 jours pour récolter 30 000 signatures en France, 40 000 en fait, pour être sûr qu'on a un minimum. C'est 20 jours, c'est 2 000 signatures par jour. C'est un boulot énorme, mais c'est très faisable. On a eu un an, une journée en Allemagne, on a eu, je vais dire en Belge, 96 000 signatures. Alors c'est faisable. Mais c'est une question de volonté. C'est volonté politique. On parlait de doux courage, c'est prendre la feuille, aller sur Internet, imprimer 10, 12, 15 feuilles, et aller et harceler les gens à qu'elle met sa carte de crédit. Et il ne veut pas la mettre. Mais alors on continue. Mais cette personne qui va signer. La carte de crédit, j'ai dit. Oui. Ça, il faut me donner après. Là, le tien, prends pas là. Ça, c'est Veolia qui vous demande ça, vous inquiétez pas. C'est vraiment ça ce qu'il faut faire. Envoyer des mails tous les jours à une dizaine, une vingtaine de personnes en disant est-ce que vous avez déjà signé? Est-ce que vous avez relayé ça? Est-ce que vous avez déjà signé pendant 20 jours? Il faut être les gens les plus chiants au monde. Sinon, et je termine avec ça, avec deux exemples, sinon on aura ce que les lobbies de l'eau qui à l'échelle européenne s'appelle Aquafête, c'est Veolia et Suez, on dit, ça c'est un truc des Allemands. C'est les lobbies des Allemands qui a réussi à avoir, c'est pas vrai parce que j'ai 70 000 signatures en France, en Espagne, plus ou moins la même chose en Italie, et on a presque déjà 14 pays d'Europe qui ont réussi à faire le minimum, et on a presque 2 millions de signatures. Alors, mais on, si dans les pays où, un, la remunicipalisation a été les drapeaux d'un changement politique assez important, comme à Paris, comme enfin, à Grenoble, etc., on ne réussit pas à faire ça maintenant, et c'est maintenant, c'est pas la semaine prochaine, c'est pas le mois de décembre, c'est maintenant, parce qu'au mois de décembre, la semaine prochaine, enfin, en septembre, en novembre, décembre, il va falloir continuer à mobiliser pour, une fois c'est arrêté à l'échelle européenne, il faut travailler à l'échelle locale, parce que les municipalités qui vont vouloir privatiser, qui vont avoir ces gouvernements qui vont prendre les pots de vin, il faut aussi les combattre. Mais si on a une victoire, c'est beaucoup plus facile. Et je vais seulement vous mettre un petit exemple, ce que va se passer, ou que pourrait se passer très facilement à Marseille. Vous avez les plages, évidemment, c'est une ville côtière, en sud de la France. Mais alors Veolia va proposer une concession à 70 ans pour gérer les plages, ici. C'est facile, mais ils le font, ils gèrent déjà le Mont-Saint-Michel, hein. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a des protestations parce que Veolia gère tout. Les entreprises privées sont en train de prendre contrôle de nos espaces publics et de la culture. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un truc à Istanbul, je termine avec ça. Ben c'est facile, une concession à 70 ans, 50 euros, 50 centimes, et sans de ces plages. Si vous, ok, oui, mais c'est bon, c'est une concession. Mais si vous allez en Italie, si vous allez en Italie, vous allez n'importe où, vous allez trouver des plages privées, des plages en concession depuis 150 ans. Alors c'est, ce que vous voulez dire, c'est que la plage va être privatisée. Oui, c'est facile. D'accord, oui. Ce sera des plages privatisées qui seront elles-mêmes relouées. Mais comme beaucoup de musées, c'est faisable. DSEP, pas en privatisation. Oui, bon, c'est clair qu'il y a une délégation de services publics, mais on aura comme un. Je me souviens plus quelle ville d'à côté de Nice où la concession n'avait pas de date dans les contrats. Hein? J'ai des concessions dans des pays comme le Portugal où la concession, dans les contrats, il y avait un minimum de consommation d'eau par tête qui était trois fois la consommation de la personne qui consommait le plus. Et ça, c'est comme les contrats se font. Parce que quand il n'y a pas de démocratie, quand il n'y a pas de participation citoyenne, alors on met les chiffres que l'expert qui est payé par les partis, parce que là, enfin, ils sont 5-6 bourreaux d'avocats qui font tout ce type d'expertise. C'est comme la Commission européenne qui mène un mec qui était l'ancien président de Lehman Brothers pour faire l'expertise sur les marchés financiers, évidemment, ils savent très bien, mais ils s'appellent les groupes d'experts La Rosière. Ils ont fait ça. Alors, soit on mobilise à ce niveau, soit on mobilise d'aujourd'hui, dès que vous sortez, vous envoyez chacun 100 mails, soit on est très mal barré. Alors oui, on peut déléguer en service public les plages pour 100 ans, mais évidemment. Mais tous les espaces sont en danger. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un parc à Istanbul qui s'appelle Gezi, mais bah voilà, c'est ça ce qui se passe. C'est l'appropriation par les marchés des biens publics, des biens communs. Enfin, c'est la lutte pour les biens communs, c'est la lutte qui vient, qui est là.
qui est dans l'espace public, et on l'a dans la santé, dans nos problèmes avec la directive concession, c'est qu'aussi, il veut entrer dans le secteur de la santé. Mais voilà, c'est super simple, je termine avec ça. Vous devez vous mettre sur Internet, aller sur le site righttowater.eu, mettre vos données, vos coordonnées avec vos cartes d'identité et après envoyer le mail à une centaine de personnes. Vous connaissez tous. Harceler votre entourage. Harceler votre entourage. Vous pouvez. Dans Déborah, beaucoup de travail. En sortant d'ici, vous avez le stand Righttowater, il y a des formulaires. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'on était quand même choqués que le bijou de la famille, vos députés, avec leur signature, sont toujours pas sur le site national de l'Europe Écologie, le Vert, aujourd'hui. Et ça, malgré des dizaines d'interpellations. Alors, Pablo, je donne toutes les assemblées, qui ne va pas partir. Je vais dire une toute dernière chose après ce que Pablo a dit. Je pense que cet esprit de la coopérative est devenu avec la SCI quelque chose qui est clairement européen, décidément européen. Europe n'est plus une illusion. Même si on ne voyage pas comme les envoyés de cette organisation parce qu'ils sont obligés d'arriver sur place, on a des contacts, on a des Facebook à travers tous les pays. Il y a quelque chose qui est vraiment une langue transfrontalière. Des gens qui disaient tout à l'heure, qui représentent le parti des absentistes, que beaucoup de gens utilisent, qui sont sinon pas motivables, qu'on ne peut pas motiver pour le combat politique. Et en plus, ce genre d'initiative, je peux vous dire, comme on n'a pas des élus, comme on n'a pas des courants, crée un sens de solidarité humaine, émotionnelle, familiale, qui fait tout simplement plaisir, parce qu'à travers cette initiative, on a des contacts avec des gens à Berlin qui nous invitent pour un résumé. C'est créer des liens d'amitié qui sont tout simplement nécessaires pour mener un tel combat. Sandrine. Internet, c'était une bataille. Moi, je l'ai portée pour le groupe des écologistes sur le règlement ICE, mais au départ, on était parti sur la vieille méthode et juste papier. Alléger au maximum la procédure, ça a été une bataille des écologistes. On avait acté qu'on évaluerait de politique européenne. Alors, bien sûr, on peut faciliter. Et c'est un peu le travail, et je vais y venir, mais ça reste avant tout un outil pour les citoyens européens, et l'exemple sur l'eau est un bon exemple, puisque c'est une des initiatives citoyennes qui a particulièrement mobilisé. Mais il y en a d'autres en cours, et moi le bilan que je peux faire au bout d'un an pour avoir suivi un certain nombre d'initiatives citoyennes européennes et qui ne sont pas rentrées dans les clous, parce qu'il y a un délai, parce qu'il faut un nombre de signatures, c'est que ça se prépare. Il ne suffit pas de se dire un beau matin entre copains ou à 7 personnes, on va lancer une initiative citoyenne et on va avoir en effet 1 million de citoyens européens qui vont la signer. Ça se prépare, c'est ce qui est en train de se faire notamment sur la question, et Marie est partie, Marie Beauvais, mais elle pourra en parler, sur la question des ondes électromagnétiques et le problème des ondes électromagnétiques. Avant de lancer une initiative citoyenne, il faut identifier dans chacun des États, c'est pas seulement un individu, mais les réseaux, les associations, les personnes qui vont être en capacité de mobiliser. Il faut, et c'est là où on peut jouer un rôle en tant qu'élu et écolo, commencer à lancer le débat, le mettre sur la place publique. Et une fois que ces éléments sont mis en place, lancer l'initiative citoyenne et recueillir 1 million de signatures en 1 an. Et c'est vrai que c'est une tâche particulièrement ardue. Pour une raison, en tout cas moi je l'analyse comme ça, pour le moment, et c'est pour ça que c'est très important qu'on aille au bout de cette première initiative qui a recueilli le nombre de signatures et qui peut véritablement donner lieu à une législation qui est l'eau, c'est qu'il y a beaucoup de nos concitoyens en France, à Marseille, en Lituanie, en Espagne, qui n'y croient plus et qui ne voient plus l'intérêt. Qui assimilent, et notamment pour les Français, on a un problème de culture, puisque je siège aussi en commission des pétitions, et pour les Français, ils n'ont pas compris ce que c'était une initiative citoyenne. Pour eux, c'est une pétition. Ils n'ont pas compris qu'on leur donnait le pouvoir. Ils comprennent le contraire. Merci beaucoup, Sandrine. Merci, Marc.